Jean-Philippe Janssen, vous êtes très impressionné de faire une émission avec Thierry Ardisson, je sais. Oui, quand même. Ça reste un pilier de la télévision française. Ben oui. Et je l'ai déjà eu à bord. C'est pas vrai. Si, j'aime bien dire. Vous l'avez eu dans un avion déjà ? Ouais, ouais, mais il a été égal à lui-même. C'est-à-dire ? Bah, tu disais poulet, il fait ouais. Poisson, ouais. Après, tu dis, vous voulez du café, ouais. Du thé, ouais. Alors tu dis café ou thé, il fait ouais. Alors tu mets une tasse avec du café, du thé, tu dis, il a du ouais, ouais. Ah, vous ne souveniez pas que vous aviez eu Jean-Philippe Janssen comme steward à bord ? Pas du tout, mais... Depuis, c'est devenu une vedette, vous savez. Mais oui, on ne se connaît pas. On devait faire une émission ensemble il y a quelques temps. Là, je me faisais une joie de le rencontrer. C'est fait. C'est chose faite. Bah oui, on va se rattraper. Donc, t'es steward, t'es belge, quoi. Du Nord, mais c'est pareil, on est cousins. Ah ouais. Vous vouliez inviter Jean-Philippe Janssen dans Salut les Terriens ? Non, dans une émission que je vais faire à l'année. Qui s'appelle La Nouvelle. Je suis en train d'essayer. Mais je crois qu'il fait Salut les Terriens. Faut dire non. Je suis en train d'essayer de rendre jaloux Pierre Bénichoux. Non, c'était l'émission avec Pierre Bénichoux. Oui, c'était celle-là, je devais commenter son livre. Non, d'autant que j'étais invité 3-4 fois chez lui et que j'ai chaque fois porté l'émission sur mon dos, tu comprends ? Alors, je sais pas. Mais on n'en parle plus. Mais l'émission ne s'arrête pas cette semaine. Ah, moi, si. Monsieur Diffental, il va falloir apprendre. Vous avez démarré les grosses têtes hier. Chantal, là-dessous, vous a tout expliqué. Oui, oui. D'ailleurs, Chantal m'a tellement bien expliqué, j'ai mis le t-shirt de mon beau-père. Ah oui, Serge Gainsbourg. Voilà. Oui, parce qu'il vous a confondu avec Yvan Attal hier pendant toute l'émission. Ça, quand même. C'est un hommage. Mais vous ne connaissiez pas Jean-Philippe Janssen ? Mais pas du tout, non. Peut-être que vous avez eu aussi comme steward à bord. Non, j'ai eu Yvan Attal. Ah. C'est vraiment un monde sans pitié, quoi. Vraiment. Quoi. On n'a jamais eu Frédéric Diffental à bord. Non, j'ai pas eu cette chance. Il m'a fait ma dédicace, donc il a marqué. À toi, gros con. T'as intérêt à m'inviter. Pour Thierry Ardisson, quand même. C'est joli. Pierre, c'est pas très grave. Vous avez fait quasi toutes les émissions. Regardez Thierry Ardisson, il n'a jamais été invité chez Michel Drucker. Non. Il y a toujours une émission qui résiste. Voilà. Un jour, tu sais, Pierre, moi j'aurai une émission, ça s'appellera Pouette Pouette, et ben, tu seras mon premier invité. Oui. Pour parler de ton livre. Pardon, ton livre que je n'ai toujours pas eu, que je réclame à Corée. Tiens, le voilà. Ah bah, mais lui, je l'avais dédicacé à quelqu'un d'autre. Je vais l'enlever. Oui, par le nom, c'est pas. J'avais mis pour René Château avec toute ma sympathie. René Château vidéo. Regardez, il déchire la page. Il déchire son livre. Et puis je me fais pas chier. Enlevez pas trop de pages, il va plus en rester. Vous allez nous l'agacer, Laurent. C'est pas la méchanceté qui manque ici. Hein. Alors rappelez-moi votre nom déjà. Marlène.